Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une boîte aux lettres. Donc j'ai reçu un courrier de Daniel. Alors je crois que je ferai beaucoup mon coup de papier là. Je vais prendre un petit ciseau, ça va aller aussi bien je crois. Voilà. J'ai hâte de voir parce que Daniel fait de très jolies choses. Elle a fait son enveloppe dans une feuille de bloc. Sympa comme tout. Oh, superbe. J'adore. Oh, c'est trop gentil, Daniel. Voilà, en fait j'étais invitée sur un groupe et Daniel me met, donc je vous montre sa petite carte qui est superbe, très jolie. Et alors qui me met, j'avais très envie de t'envoyer une enveloppe de bienvenue, voilà c'est chose faite. Amicalement Daniel, je te remercie énormément Daniel, c'est super gentil. Ça me touche beaucoup. Donc son fond, il a été fait au Magicol. Donc le fond ici. Élément colorisé au crayon de couleur Posca Pencil. D'accord. Donc moi pour le moment, je n'ai que les polychromos. Ta colorisation est superbe. Superbement bien faite. Très bon travail. Elle est superbe, je te remercie énormément. Et du coup, elle m'envoyait des tamponnages. Oui, parce qu'elle m'avait contactée pour me demander s'il y avait une petite poupette, comme j'avais acheté des tampons Paperazzi, si je voulais un tamponnage d'une petite poupette qu'elle avait. Alors, attendez, elle m'a mis des petits papiers. Papier Painton. Alors, d'accord. Alors. Que je m'y retrouve. Multitechnique, papier Painton, multitechnique de 150 tampons, paper Etsy. Alors, a priori, c'est tous du paper. Non. Paper Etsy. Et là en dessous, tu m'as mis Tracy. Je ne sais pas. Et là, Paper and Sea, en fait, il y a comme des références. Elena Zinsky Art. Bon, je vous montre les tamponnages. Donc là, c'est les zini, je pense, de Paper and Sea. J'adore. Moi, j'adore les trucs décalés comme ça. Donc, forcément, j'adore. Superbe. Merci beaucoup Daniel, c'est super gentil d'avoir pensé à moi. Ici, voilà, ça c'était la petite poupette qu'elle m'avait demandé si je voulais. Et j'ai également ceci avec sa tête, j'adore, trop drôle. J'adore, je te remercie énormément Daniel. Je vais... C'est des tamponnages que je vais forcément garder sous la main pour les imprimer, pour toujours les avoir. Je te remercie beaucoup Daniel, c'est très gentil. Je te ferai une réponse, alors je t'avoue, je ne sais pas quand, parce que j'ai pas mal d'envois d'anniversaire qui vont arriver, que j'ai à faire. Enfin, je t'enverrai un courrier, je ne sais pas quand. Voilà. Et puis, je vais également enchaîner, puisqu'hier, j'ai vu Sylvie qui m'a offert mon cadeau d'anniversaire. Donc, je vais vous montrer ce qu'elle m'a offert. Donc, déjà, on va commencer par du washi tape de chez, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit, Vassen Creative, je crois. Voilà. Donc, très sympa. Je vois bien ça avec Cire Vagabond. Là, c'est du ruban en tissu.
Donc j'aime beaucoup aussi, ça me fait penser à quand j'ai fait le tuto de mes petites cartes postales. Donc j'aime bien, j'aime beaucoup. Elle m'a offert un petit tampon tout choupinou. C'est un petit menton avec son étoile. Et j'en ai un deuxième où il est en train de porter une guirlande. Ils sont trop marrants. Donc ça, c'est pour Noël impeccable. Ensuite, elle m'a offert des choses pour le mix média et forcément j'adore. Mais bon, Sylvie maintenant, elle me connaît bien, donc elle sait ce que j'adore. Voilà, donc ça, j'adore. Et là, un sur le thème de la musique. Je l'aime beaucoup également, il est superbe aussi. Donc merci beaucoup à PM. Elle m'a fait aussi tout plein de découpes avec un dice qu'elle avait trouvé chez Nose. Un qu'elle m'avait proposé, j'ai dit non, tu ne me le prends pas. Et j'ai beaucoup de regrets parce que j'aime beaucoup ce petit tag là au fond là avec les petits ponts là. Alors je vous les défais pas parce que ça m'embête, il y a plein de petits bouts, j'ai peur d'en perdre. Mais merci beaucoup Sylvie, c'est super gentil. Je sais que ça prend énormément de temps de faire les découpes. Donc merci beaucoup. Et puis bah du coup je vais enchaîner sur... ah oui, puis elle m'a aussi mis deux petits aquarelles comme ça, qu'elle avait elle en double. Du coup elle m'a donné ses doubles, voilà. Et du coup, bah, je vais enchaîner sur un petit haul Nose, mais bon, que vous avez vu déjà passer depuis un petit moment. Donc, je vous montre, c'est Sylvie qui m'a trouvé, parce que bah, elle a dû faire le tour des Nose. Donc, bah, souvent, elle m'appelle, elle me demande ce que tu veux, ce que tu veux pas. Donc, j'ai pris ce classeur d'embossage que j'adore, voilà, qui était à 99 centimes. J'ai pris ce pochoir également, que j'aime beaucoup, qui était... à 99 centimes. Elle m'a trouvé toute la série pardon, donc ils sont à 1,99€, et elle m'a trouvé toute la série de ces pochoirs là. Il y a trois pochoirs et ça vous permet de faire du 3D. Je pense qu'on testera ça ensemble, vous me dites si ça vous intéresse. Donc j'ai celui-ci, j'ai celui-ci, j'ai celui-ci, j'aimais beaucoup, je lui avais dit surtout celui-là, si tu le trouves, tu me le prends. Et du coup, elle m'a trouvé la série des 4. Et j'ai celui-ci, voilà. Donc, vous voyez, au dos, j'ai bien les 4. Voilà, et puis elle m'a trouvé, elle est tombée là-dessus. Donc celui-là, je ne l'avais pas, donc j'ai dit oui, je veux, à 2,99€ de Art by Marlène, hein, parce que j'adore Art by Marlène. Et elle m'a également trouvé, c'est des feuilles, je dirais ça fait un peu un aspect mousse, mais très très fine. Et c'est de l'adhésif pour les dailles, en fait. Donc... je viens coller ma feuille de papier, parce qu'en fait, il n'y a qu'un côté adhésif. Donc, je viens coller ma feuille de papier. Je garde le côté adhésif, bah, côté, vous savez, en fait, c'est pour passer vos dies dans la machine. Et du coup, votre papier est autocollant. Voilà, j'ai du mal ce matin. Pas tout à fait réveillée. Eh bien, voilà. Donc, ben, merci beaucoup, Daniel, et merci beaucoup... Sylvie, du coup, je vous laisse là pour aujourd'hui et puis je vous dis à bientôt. Bisous.